Précédemment, dans Chasseurs de sorcières. Je suis dans le labyrinthe. Il faut que j'aille là-bas, à l'observatoire. On a la preuve qu'une sorcière habite la forêt. C'est une blague. Qu'est-ce que tu fais? Je mourrai ici comme eux. Je crois que c'est la forêt. J'ai trouvé enfin la sortie. Oui, oui. Oh, putain. Je sais pas aller vers où pour retrouver la voiture. Je vais vers là. Ok. Alors là, maintenant, le but, c'est de retrouver le chemin vers la voiture. J'ai l'impression qu'elle m'a pris en chasse. Bon. Là, ce qui est rassurant, c'est que j'ai trouvé un chemin. Je sais pas si c'est bon ce que je fais, hein. Mais je pense qu'il faut que je suive le ruisseau et j'arriverai à une ville. Ou un village ou quelque chose qui me permettra de retrouver ma voiture. J'ai pas envie de rester dans la forêt quand il y a de l'orage. Vraiment pas. Elle est partie en chasse, putain. Regardez, j'avais... Ma voiture, elle est là-haut. Merde. Je sais pas si vous entendez la pluie. Dépêche-toi, Victor, dépêche-toi! J'ai sorti mon parapluie! Y'a quelqu'un dessus de moi! Ma voiture! Oh, je peux l'apercevoir d'ici! En fait, ça fait 2 minutes que je roule et la voiture elle vient de s'arrêter. Elle démarre plus. Je sais pas c'est dû à quoi, un problème dans le moteur, je sais pas, putain, mais normalement elle devrait démarrer cette bagnole de merde. Démarre. Putain. Attends, j'en ai marre. Oh non. Oh non, t'as intérêt à démarrer, putain, t'as intérêt à démarrer.
Ok. Démarre! Putain, mais démarre! Allez, viens! Je sais pas où elle est partie. Elle a tourné autour de la voiture, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'amusait avec moi. Cette voiture qui démarre pas! Alors là, il repleut beaucoup. Je vais essayer de refaire démarrer cette voiture pour me casser d'ici. Bon, allez, démarre. Ouais! Oh, alléluia! Ok, je me casse. Ok, je viens à l'instant de rentrer. Durant ces trois enquêtes que j'ai faites, j'ai vraiment mis en danger ma propre vie. Je suis pas en sécurité, je suis tout seul. Oui, alors je vais vous le dire, il n'y a aucune équipe de production derrière. Je suis vraiment tout seul, c'est moi qui vais enquêter. C'est moi. Tout ce qui se passe est réel. Durant les trois enquêtes que j'ai faites, on a eu quand même des sacrées preuves. Et là, la dernière, je crois que c'est une des plus concluantes. Alors vous aurez noté dans cette enquête que je n'ai pas trouvé la carrière. Cette espèce de gros amas de roches, je ne l'ai pas trouvé. La sorcière m'a emmené et j'ai vu son labyrinthe. Alors je le répète, les enquêtes que j'ai faites, c'est pas du tout à reproduire tout seul parce que ça peut être très dangereux. La preuve, je mets en danger ma vie et c'est pour ça que je décide de mettre un terme à ces enquêtes. Du moins pour quelques temps, le temps que je m'en remette parce que cette... Vous comprenez, là, j'ai vraiment eu la preuve que cette sorcière avait vraiment tué des gens. J'ai vu le sang de d'autres personnes, c'était... Alors voilà, en tout cas, j'essaye de garder le sourire. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette première saison de Chasseurs de Sorcières. Il y aura probablement une saison 2 avec de nouvelles enquêtes et de nouveaux épisodes. En tout cas, ça me fera très plaisir qu'en commentaire vous me donniez votre avis sur cette enquête et également sur toute la série Chasseurs de Sorcières. En tout cas, au travers de ces épisodes, on a eu la preuve que ces créatures existent, mais ça veut dire que dans le monde, il y a encore des choses à découvrir. Si les sorcières existent, il y a bien d'autres créatures à découvrir. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode et la fin de la saison 1 de Chasseurs de Sorcières. J'espère que vous aurez aimé vivre ces aventures avec moi. À la prochaine pour un nouvel épisode de Chasseurs de Sorcières.